sur cette map puisqu'il est plutôt intéressant. Tout va se passer autour de ce drapeau B, déjà avec le oh, le premier duel d'hélico. Par contre, là, on se cogne un petit peu. Et ce sera Mister Min qui remportera le duel contre Prolosco. Ça, c'est Mister Min qui est en train de remporter tous ces duels pour l'instant. Pour l'instant, oui, et surtout, le pire dans tout ça, c'est que Prolosco même pas été capable de poser de l'infanterie sur B, donc ça veut dire free flag pour les Purple, parce que on va prendre C. Ouh, ça, ouh là là, la grosse relance sur C là de la part des White. Grosse relance effectivement de 4, 5, 6 joueurs, je pense. Et Adouzi s'est fait imploser, quoi. Je crois qu'il a pas compris d'où ça venait. Ouais, et du coup, on repart directement en défense avec Mr. Noise au niveau de ce C, mais est-ce qu'ils se rendent compte de combien de joueurs sont présents sur ce drapeau C? Regarde ce qui se passe sur le A. Ouais, et une petite relance en sneaky. Ah, béni, avec le DNR. Et pourquoi? Mais non, c'est pas... Si, eh ben si. Eh ben si. Prolosco. Ah, GG, béni, bravo. Ah, il me l'avait dit, tu vas voir. Prendre le DMR, moi. Il est sérieux, béni, DMR, et en plus c'est pas le meilleur, quoi, le SVD. Je suis vraiment, très honnêtement, il y a beaucoup de gens qui crachent sur les semi-auto comme ça, mais je comprends pas comment on fait pour jouer avec. J'ai vraiment beaucoup de mal à les jouer. Et là on a Apic qui a fait un move très intéressant, sachant qu'il y avait des gens dessous pour prendre A, il a décidé de descendre pour éventuellement déloger toute l'infanterie qui restait là-haut. Oh béni, le doublé au magnum. Ah, j'étais pas dessus. Béni, qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Là, par contre, contre le tank, non. Ça va être moins rigolo. Il est trop gros, le monsieur, là. Ouais. Eh, mais il y a encore Lex, hein. Et Lex, lui, reste dessus, tranquille. Oh non, il reste pas dessus, en fait. Froxy l'a sorti avec un Enlo, mais les Enlo, il a pas le droit. Théoriquement. Ah bon? Non, les NO, c'est le lance-roquette. Ouais, je vois bien, le auto-lock. C'est ça. Un verrouillage. Ouais, bon, après, franchement, pour les dégâts que ça fait. Coucou, Xam, nous dit Joannes. Sur le toit du B. Voilà. Ah, ça tourne dans tous les sens. Là, ça y est, c'est nettoyé le B. Et il y a une grosse défense sur le C aussi. Puisque Drunkzy, Rela. Sont fait sortir. Oh, c'est chaud là. Ouais, c'est et très là, très dur. Contre... Du coup, on tient là, deux drapeaux hein, pour les Purple. Et à nouveau, combat d'hélicoptère. Il va essayer de larguer du monde, j'imagine, sur le toit. Mais ça va être dur là. Il est déjà dessus, Mister Min. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il prend pour Prolosco ce soir? Ouais, Mister Min qui, encore une fois, remporte son duel. Et va pouvoir s'attaquer maintenant aux véhicules terrestres et aux infanteries. Ça va monter grand toit sur B là, il y a beaucoup de monde dans les ascenseurs. On a Rela, on a Safe, on a Prolosco. Ouais, mais pour l'instant ça tient. Mister Min qui fait pas mal de kills également. Et Mister Noise qui a défendu ce drapeau également. Donc pour l'instant, ouais. Pour l'instant, la relance qui s'est, comme tu le dis, fait complètement wipe sur ce toit. Et là, avec Mister Min qui vole, ça va être très très compliqué de faire une relance sur B. Hein. Il va falloir qu'il trouve une solution, quitte à envoyer un gars traverser à la nage, hein, en sneaky, mais il va falloir trouver une solution pour taper sur ce C, parce qu'ils vont se faire agresser le A dans peu de temps. D'ailleurs, c'est fait. Ouais, encore une fois, les White qui, pour l'instant, sont largement derrière. Dans le mal, ouais. Enfin, largement, 16 tickets hein, pour l'instant, mais... Oui. Mais faut pas que la situation s'éternise là. Non. Je pense qu'il va falloir que Happy pousse là. Il va falloir qu'il pousse avec ses enfants pour fournir un point de spawn, parce que sinon on y va avec la Jeep. Ouais, deux drapeaux ça peut descendre très très vite hein. Ah, il continue. Je sais pas, moi à la place de Bagaille, je serais monté de l'autre côté. Et en sortant de l'ascenseur, j'aurais essayé de sauter. Non, mais il monte tout seul, hein, Bagaille. Je comprends pas. Voilà, d'ailleurs, il se fait éliminer. Je comprends pas pourquoi il est monté tout seul. Il se précipite un petit peu là. Tu vois, il y a Happy qui pousse là. Il faudra en profiter de spawner sur Happy pour essayer de faire une relance sur C là. Parce qu'il y a Adouzi qui répare son char. Peut-être le moment là.
Attention, duel des licos encore. Ouais. Prolosco est dessus cette fois. Ouais, c'est-à-dire qu'il a l'avantage, hein, du coup, en étant au-dessus. Oh là, par contre, il se prend beaucoup de dégâts. Oh là 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 là. Mister Min, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Prolosco ne remporte aucun duel. Mais ça, il le paye cash, hein. Parce que attaquer la tour B avec Mister Min qui est en grâce comme ça là, je sais pas si c'est Ouais non, passe pas ça. Oh Mister Min, écoute, il les nettoie. Non là pour l'instant Mister Min Ouais 11-0 ouais bah tranquille quoi. Oh, et en plus, oh, Adouzi qui vient push. Oh, Mister Min, il s'est pris une balle. Ah! Il s'est pris une balle dans l'hélico. Voilà. Comme ça. L'hélico, il est où? L'hélico, il est mouru. Ah, mais si, il est mort dans l'hélico. Il est mort dans l'hélico. Oh, l'hélico a dû tomber à l'eau alors. Parce que ce qui peut t'arriver, c'est que. C'est Mister Noise qui a pris le contrôle de l'hélico du coup. Alors, Mister Noise qui est une infanterie, mais je te laisse apprécier son jeu, Nélico. Hein. Wouah, eh ben, il est venu cueillir bagaille déjà. Eh, ils vont nous reprendre le B. Hein. Oh, il n'arrive pas à remonter. Combien, là. Il combien d'infanterie, combien d'infanterie. Ah, ouais. Là, ils sont 6, à mon avis, ils sont au moins 6. 6 contre 2, je pense qu'il y a moyen, quoi. Il y a moyen, pas, et pourtant ça tient. Benny qui est toujours présent avec son DMR. Il s'est pris un gros smoke. Pour l'osco, il y a un petit quelque chose. Là tu vois, ça va trop se livrer là, ça s'est trop livré sur B, côté white, et on n'a pas capé parce qu'on est allé chercher le kill, au lieu de rester calmement sur le toit, à prendre le flag et ensuite à aller faire la défense. Ouais, écoute, pour l'instant ils sont en train de le perdre malheureusement le drapeau. Ah c'est foutu là. Ah, pour moi, je trouve que ça joue un petit peu trop sur le B, mais bon, c'est personnel. Ouais, je sais pas. Comment du coup est-ce qu'on on se focalise sur une game comme ça? Est-ce qu'on je sais pas. Là, est-ce qu'on relance plutôt sur le flag extérieur ou... Oh Lex, wow. Tu viens de faire éclater l'hélico avec un smoke magnifique. Ouais, ben j'étais pas su, mais c'était vu de l'extérieur comme ça, c'était joli. Voir l'hélico exploser. Alors comme comment ça, on fait, c'était bien. On fait comme Bagaille par exemple, qui va essayer de fournir un point de spawn pour ses collègues, essayer de faire une attaque. Ouais, il s'est fait carrément suivre là. Oh, c'est trop chaud là. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Je reste beaucoup sur Mister Min, mais c'est vrai que son jeu en hélico en vaut vraiment la peine. Alors Benny avec une relance. Par contre sur le drapeau A. Oh il est venu en sneaky, c'est dommage, il était en sneaky derrière les deux infanteries. Ah, il aurait pu faire tellement mal. Ah, c'était un bon move de Benny. Dommage, il était un petit peu esselé. Et là encore une fois les whites qui malheureusement sont en train de s'incliner dans cette troisième map. Problème, c'est toujours pareil, encore une fois. Mister Min y vole hein, et espérer prendre le B avec aucune domination aérienne, je vois pas trop comment c'est faisable quoi. C'est je sais pas, quitte à perdre, j'aurais. Tiens, regarde, voilà. Exactement ce que j'allais dire, Prolosco qui a tenté une relance en fufu mais qui s'est fait spot directement. Ah, du coup on va essayer de relancer encore une fois ce drapeau B pour les whites. Ah, ça va être compliqué hein, Ouais. Sincèrement je vois pas là. Je vois pas, ils ont joué essai une seule fois, ils l'ont pris. Et je sais pas pourquoi ils ont pas réessayé quoi. Oh mais Drunzi même dans l'ascenseur dans le jeu il arrive pas à rester calme, c'est chaud. C'est énorme. Ce joueur est tellement on fire, tellement motivé, c'est génial à voir. Drunzi qui fait assez live.